تنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله لقد من عليكم ربكم أن هداكم لدين الإسلام وكفى بها نعمة هذا الدين الذي يراعي جميع الجوانب فيحث الناس على تزكية النفس والتحلي بمكارم الأخلاق كما أنه يبيح للإنسان التمتع بنعم هذه الحياة الدنيا قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولذا لم يعامل الناس كأنهم ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ولكنه عاملهم كبشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لذلك لم يفرض على الناس أن يكون كل كلامهم ذكرا وكل صمتهم فكرا وكل سماعهم قرآنا وكل فراغهم في المساجد وإنما اعترف بهم وبفطرهم التي خلقهم الله عليها وقد خلقهم الله سبحانه يفرحون ويمرحون ويضحكون ويلعبون لذا شرع لهم الأعياد ليفرحوا ويلهوا مع ذويهم في حدود الشرع طبعا وقد شرع العيد في السنة الأولى من الهجرة بدليل ما روى أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله رب العالمين لوانجا الله les bienfaits s'achèvent par sa grâce le bonheur et les bénédictions se succèdent par sa générosité et c'est uniquement par son accord que les objectifs sont atteints lوانجا الله qui nous a guidés vers la voie de la droiture de l'islam
Nous n'aurions pas été guidés si ce n'était pas par sa volonté ainsi que sa miséricorde. Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager. Il est par ailleurs la meilleure de toutes les créatures d'Allah. Je demande que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa pieuse famille, ses fidèles et distingués compagnons, et sur tous les musulmans qui vont les suivre dans l'accomplissement du bien et la piété jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et manifestez votre reconnaissance envers votre Créateur qui vous a donné le cadeau le plus important qu'une créature peut recevoir de la part de son Créateur, à savoir le fait de vous guider vers la voie du salut de l'Islam. Cette religion de l'Islam qui a pris en compte tous les aspects de l'être humain, l'Islam, comme de la même manière qu'il nous a encouragés à purifier nos âmes, à nous embellir avec la bonne moralité enseignée par les messagers et prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de cette même manière que l'Islam va nous autoriser à profiter des bonheurs, à profiter des délices, à profiter de la joie dans cette vie d'ici-bas. Alors subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce sens: وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et recherche ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour toi comme part dans le paradis. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservée, la part des réjouissances, de bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé dans cette vie d'ici-bas. C'est pourquoi l'Islam n'a pas obligé à ses fidèles, afin que toutes leurs paroles soient des évocations ou que tout leur silence soit des pensées dans sa création, ou même que tout leur temps de loisirs se passe dans les mosquées. Mais l'Islam a autorisé également aux musulmans d'être heureux, d'être content, d'être joyeux. C'est pourquoi l'Islam nous a légiféré deux fêtes. Deux fêtes qui ont été légiférées pendant la première année de l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Comme nous le rapporte Anas radiallahu anhu, il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois célébrer deux grandes journées. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va leur poser la question: quelles sont ces deux journées si particulières à vos yeux? Les Médinois vont répondre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ces deux jours représentent nos deux jours de fête. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va leur dire: l'Islam a également autorisé les fêtes. L'Islam a également légiféré les fêtes. Alors l'Islam a changé ces deux jours de l'ignorance, ces deux jours où vous vous retourniez avec des péchés, par des autres jours qui sont plus meilleurs, par des autres jours qui sont les jours de la fête de la Tabaski et la fête de la fin du jeûne du mois de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. Chers frères, chers sœurs en islam, la fête en islam est une adoration. Certes, la fête est une journée de réjouissance, une journée où nous devons boire dans le licite, une journée où nous devons manger l'illicite,
une journée où nous devons être contents avec nos familles. Alors l'islam va nous orienter comment le musulman doit bien passer sa fête, afin que cette fête-là soit une récompense pour lui, afin que cette fête-là soit des récompenses qui vont être inscrites dans la balance de ses bonnes actions. C'est pourquoi l'islam va nous recommander de commencer la journée de la fête, la veille de la fête, avec les adorations, avec la concentration, avec la dévotion, avec les prières surérogatoires, la lecture du Coran, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. L'islam va recommander également le musulman, pendant cette journée particulière, qu'il puisse mettre une différence entre cette journée et les autres jours ordinaires. C'est pourquoi le musulman doit se vêtir convenablement. Le musulman doit porter ses plus beaux vêtements. Le musulman doit accomplir le grand lavage qui est le ghuslul janaba. Il est recommandé également aux musulmans, plus précisément aux hommes, de se parfumer pour se rendre dans les lieux de prière, contrairement aux femmes. Les femmes sont autorisées à venir assister à la prière, mais elles ne sont pas autorisées à se parfumer afin d'éviter la tentation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Il est également fortement recommandé aux musulmans qui désirent venir accomplir la prière de l'Aïd de se hâter, de venir tôt à la mosquée, d'éviter, n'est-ce pas, de déranger ses frères lorsqu'il arrive à la mosquée. Et il est fortement recommandé de venir assister à la prière en marchant et d'emprunter la voie, le contraire de la voie que nous avons empruntée en venant à la prière de l'Aïd. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Il est également fortement recommandé aux musulmans de ne pas jeûner. Il est plutôt interdit aux musulmans de jeûner la journée de la fête. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous recommander de prendre un petit déjeuner avant de venir accomplir la prière de l'Aïd. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé que ce déjeuner-là se fasse avec trois unités de date. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Il est également fortement recommandé aux musulmans de s'acquitter de la zakatul fitr, de s'acquitter de l'aumône de la rupture, cette aumône que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a obligé et a recommandé à tous les musulmans, adultes comme, n'est-ce pas, mineurs. Le musulman doit s'acquitter de cette zakat, qu'il soit homme ou une femme. Le musulman doit s'acquitter de cette zakatul fitr, de cette, n'est-ce pas, aumône de rupture, avant de venir accomplir la prière à la mosquée avec ses frères musulmans. Et la zakatul fitr est estimée à 2,5 kg lorsque nous allons donner cela en nature, mais lorsque nous donnons cela en espèces, nous devons donner 1250. L'objectif de la zakatul fitr est de deux choses. La première chose, c'est de permettre aux musulmans de rendre son jeûne parfait. Lorsque nous avons jeûné, il se peut que nous avons eu à dire des paroles déplacées. Lorsque nous avons jeûné, il se peut que nous avons vu des choses que nous ne devons pas voir. Lorsque nous avons jeûné, il se peut que nous avons écouté des paroles que nous ne devions pas écouter. Alors, la zakatul fitr, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tuhuratun lissa'im, c'est une purification. La zakatul fitr permet afin que nos jeûnes arrivent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parfait et purifié. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos jeûnes. Et la zakatul fitr, le deuxième objectif, c'est également de permettre aux musulmans démunis, aux musulmans pauvres, aux musulmans qui n'ont pas les moyens de ressentir la même joie que les musulmans qui en ont les moyens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour de la fête, les pauvres musulmans doivent être à l'abri de la demande.
ils ne doivent pas aller tendre leurs mains envers les personnes qui sont riches. C'est plutôt aux personnes riches de faire le pas envers eux, de leur permettre de fêter comme il le faut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup de mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos défunts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde sa miséricorde ainsi que sa satisfaction. S'ils se trouvent dans le bonheur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ce bonheur pour eux. S'ils se trouvent également dans le malheur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur délivre de ces malheurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la santé à nos malades. Et ici, nous avons une pensée à notre président, le président Abdoulaye Keïta, qui est hospitalisé il y a de cela 3 jours. Actuellement, il est à l'hôpital. Il n'a pas pu fêter avec nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la guérison. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui soulager de ses mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette maladie soit une purification pour lui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que notre papa et notre président nous rejoignent dans les plus brefs délais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la santé ainsi qu'à tous les musulmans, ainsi qu'à toute personne qui se trouve, n'est-ce pas, dans la maladie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il veille sur les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nos biens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce beau pays, le Congo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ce pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la paix et la stabilité puissent régner dans ce pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'assister le chef de l'État afin de nous diriger vers le bonheur du peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste le chef de l'État, son premier ministre, son gouvernement et tous ses collaborateurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur le peuple congolais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'il fasse que nous vivons dans l'islam et que nous mourons avec la foi. Que notre dernière parole dans cette vie soit la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في النبيين وصل عليه في المرسلين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير Bonne fête à tous et à toutes. Imam Yaya Konaté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez de terminer une prière. Oui. Est-ce qu'on peut connaître la particularité de cette prière d'aujourd'hui? Au fait, la particularité de cette prière d'aujourd'hui, c'est que cette prière est liée à un grand événement qui est le jeûne du mois de Ramadan, dont les musulmans à travers le monde entier viennent déjeuner tout un mois pour leur Seigneur. Donc, ils doivent se réjouir. Ils doivent aussi remercier leur Seigneur de leur avoir facilité cette tâche. C'est ça la particularité de cette prière. Et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son vivant, il invitait les hommes, les femmes, les enfants, même les femmes en état de menstruation.
à aller accomplir cette prière, à participer à cette joie et à écouter aussi le sermon qui sera fait par l'imam en ce moment-là. Imam Yahya Konaté, pour terminer, vous avez parlé de sermon. Qu'est-ce que l'on peut retenir du message coranique de ce jour? Ce qu'on peut retenir du message coranique de ce jour, c'est que cette journée est une journée de joie. Cette journée est une journée de réjouissance. Il est demandé à tout musulman d'être heureux avec son entourage, les voisins musulmans ou non musulmans, de partager avec les voisins musulmans et non musulmans, et de s'inviter avec les voisins musulmans et non musulmans, de consommer de la nourriture licite, de la nourriture sans gaspiller, et de manger et de boire, car c'est interdit aujourd'hui de jeûner. Le jeûne n'est pas autorisé. C'est une journée à boire et à manger, et à s'occuper aussi de ses proches, surtout les orphelins, les nécessités, qu'ils soient musulmans ou pas. L'islam nous recommande ceci. Et le musulman aussi doit tenir compte à cela. Les veuves, les orphelins, les pauvres, il doit aussi partager cette joie ensemble avec eux dans son entourage. Merci. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je